Salut à tous, c'est Megiddo pour VR Troopers sur Mega Drive, un jeu de 95 réalisé par Saban. Saban à qui on doit bien sûr la série. Bon, on va faire déjà un tour de l'adoption. On a donc droit en difficulté en heavy, en kid, en modérateur et en moyen, en hard. Et en maniaque. Allez, je vais mettre en kill comme ça, le jeu il passera plus vite. Bon, le temps, on est entre 15 et temps infini. On va laisser temps infini par round. Un seul combat ou 5. Un seul. Je parle de round, pardon. Des touches. Le problème, c'est que j'ai réglé ma manette sur 3 boutons. Bon, ça fait rien. Et c'est parti. Je sais, jouer en kit, c'est vraiment... c'est parce que j'ai pas eu de temps. Le temps est un peu plus possible le jeu. Voilà, on a le mode story, le mode versus et le mode computer duel qui est un peu comme dans Dragon Ball, savoir les deux personnages s'affrontent tout seuls. Bon, on va prendre le mode histoire. Bon, VR Troopers, c'est quoi? C'est une série américaine. En apparence, bien sûr. Parce qu'en fait, elle est comme les Power Rangers, c'est-à-dire c'est une série... Ils ont récupéré des séries japonaises où ils ont retiré les acteurs originaux et les remplacés, et remplacé toutes les scènes par des scènes avec des acteurs américains. Ainsi, on se retrouve dans la même série avec des héros de plusieurs séries différentes, comme Jiberis qui est en fait Spielberg, Caitlin Starr qui est en fait Diana, la coéquipière de Spielberg, Ryan Steele qui est en fait Metalder et par la suite qui deviendra Chider, le troisième chef de l'espace qui fait partie de la trilogie chef de l'espace avec Xor et Sharivan. Ok, ben moi je vais prendre, allez, Spielban. C'était un peu bizarre quand même en France, c'est parce que nous on avait quand même les séries originales en même temps que les séries américanisées. Et il va pas de main morte, hein. Aujourd'hui, régler la manette en 6 boutons. Eh bah, hey, attends, mais quoi, c'est dans un coin, hein. Quand je suis en kill, hein. Bon, graphiquement, au niveau des corps, j'ai l'impression que c'était une sorte de sous Mortal Kombat. Mais, il me coince dans un coin, je peux rien faire. Mais, imaginez, là, je suis déjà en kid, quoi, alors. Hein. Mais... Là, je suis obligé de latter à la... avec des attaques à la moindre mal nœud. Vous vous rendez compte? Comment je suis obligé de latter? Parce que... Il vous coince dans un coin et vous lâche plus. Bien sûr, c'est un jeu de combat. Donc graphiquement, les décors sont simplistes. Les sprites des personnages sont vraiment rikiki à côté des autres jeux de combat de l'époque. Je crois que même chaque fou, les personnages sont plus grands, c'est pour dire. D'ailleurs, j'ai l'impression que... On a l'impression à faire en fait un clone de chaque fou. Mais... Et quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à me coincer dans un coin? Pourtant, j'ai... Bizarre, ça. Bon, on peut changer de personnage. Allez. Je vais prendre ce qui ressemble à Metalder. Écoutez-moi ce hurlement bizarre. Bon. Alors, je vais raconter quelques petites anecdotes sur la série. Comme je vous ai déjà dit, c'est basé sur les séries américaines, mais à l'origine, une seule série devait servir de base à celle-ci, à savoir Metalder. Ou à l'origine, il ne devait pas s'appeler VR Troopers, mais Cybertron. Et bien sûr, pour éviter tout procès avec Hasbro, comme Cybertron,
comme beaucoup le savent, c'est le nom de la planète des Transformers. C'est aussi le nom japonais des Autobots. Donc pour tout ton procès, ça va changer l'histoire. Et donc, ça devient VR Troopers. Bon, l'histoire de la version américaine, donc c'est trois jeunes qui se transforment en super-héros pour... Eh bien, il fasse quoi, là? Je peux plus rien faire! Regardez, il y a un gros bug, là! Je suis quasiment bloqué entre deux personnages, je pouvais rien faire! Alors, comme je disais, ces trois jeunes qui, grâce à des médaillons, vont pouvoir se transformer en super-héros et aller dans, combattre un méchant industriel qui a créé des monstres virtuels. Ah, moi, le côté... Ça me fait marrer, c'est les histoires de virtuels dans les films, séries, là. Où ils nous sortent des trucs pas possibles. Ce qui me fait le plus marrer, je crois, c'est le coup de... Si on met un casque virtuel sur la tête... Allez, je prends le troisième personnage. Si on met un casque virtuel sur la tête, si on le débranche sans qu'on ait fini la partie, on meurt. Ça me fait marrer. Ça, dans les films, quand je vois ça me fait trop marrer, quoi. À croire que les scénaristes n'ont jamais utilisé un ordinateur ou un jeu vidéo d'or vie. Bon, comme je disais, donc c'est des jeunes donc qui vont devoir se battre. Donc la série est très repompée sur l'ambiance pour Rangers, c'est-à-dire niveau QI 2 pour les scénaristes. Comme ils disent dans Santa School, oh mon dieu, ils ont. Rita a tagué une maternelle, vite, faut appeler Power Rangers. C'est ça à peu près le niveau, quoi. Autant les séries japonaises sont vachement mieux, et en plus elles existent en français, mais bon, elles sont dures à trouver quand même, c'est dommage. Il mériterait quand même une version DVD. D'ailleurs, Metal Gear, je vous ai déjà parlé, peut-être dans une autre vidéo, qui est en fait une refonte, disons une version moderne de Kikaider, un héros d'Ishinomori Shotaro, à qui on doit Kamen Rider. Pour les 15 ans de ce dernier. D'ailleurs, dans la version japonaise de Metal Gear, celui qui joue le rôle du grand méchant de l'histoire a pour la particularité d'avoir joué une dizaine d'années auparavant le rôle du Spider-Man japonais. Parce qu'au Japon, ils ont eu une série Spider-Man dans le style Bioman. D'ailleurs, le Spider-Man japonais est le premier super-héros japonais à piloter un robot. Bien sûr, hors dessin animé, bien sûr. Donc, quand je vois sur des sites, oh regardez, ils ont fait un Spider-Man qui reprend Power Rangers, ils l'ont donné un robot, alors que c'était le premier à en avoir un. Bon, revenons au jeu. Donc, musicalement, les musiques sont pas top, pas comme dans la série, quoi. Allez, je vais reprendre lui. La difficulté, bon, le problème c'est que ils ont repris le style graphique de Chakfu, mais avec la difficulté de Mortal Kombat, quoi. C'est-à-dire, à part donner croche-patte à l'adversaire, il n'y a vraiment rien qui marche, quoi. Je crois que ça doit être le jeu de combat sur 16 bits où les personnages sont plus petits. Faudrait que je compare avec un shoot de Chakfu. Mais je suis sûr que c'est les personnages les plus petits. On en voudrait même pas sous Mugen. Le fameux programme qui permet de créer son propre jeu de combat. Et puis bon, si on regarde bien les personnages, surtout Metal Gear n'est pas ressemblant du tout. Ils ont juste mis un gore rouge et bleu. Et point barre. Alors que... quand on voit la série Metal Gear, il est un peu plus détaillé, quoi. J'ai l'impression même qu'ils ont piqué des sprites dans un autre jeu et hop, qu'ils l'ont repeint en rouge et bleu à la vérité.
je suis sûr qu'ils ont piqué les sprites dans un jeu. On voit, il m'a encore bloqué. Mais... Ah, la jouabilité est assez naze, quoi. Heureusement que quand on a mis les petits boutons et les touches automatiques pour les coups spéciaux, et voilà, il m'a encore bloqué. Je peux rien faire à vous. Ah, mais dès qu'il nous pointe. Et voilà. J'ai perdu. Et je comprends pas, faut raffronter l'adversaire. C'est n'importe quoi. On perd le bonus, on faut raffronter l'adversaire. Mais c'est complètement con. Je crois que ça doit être le pire, et j'avoue. Sérieux, je crois que c'est le pire jeu de combo de la Mega Drive. Il existe une version Game Gear en plus. D'ailleurs, je vous apprends un truc sur la série. Elle ne compte que 2 saisons, mais il était prévu qu'elle en compte plusieurs. D'ailleurs, Saban avait prévu que si elle allait marcher, bah, vu la merde qu'elle est, que c'est, heureusement, que ça foirait. Il avait prévu de racheter Xor et Charivan pour en faire des saisons supplémentaires. Il était... Ah ouais, et aussi Jaspion, qu'est-ce que je... qui... la série qui est entre Shider et Spielvan. Et ainsi, il avait prévu maintenir 4 à 5 saisons. Malheureusement, comme cette série est encore plus débile que pour Rangers, il n'y a pas eu le succès compté, il a arrêté au bout de 2 saisons. Quoi qu'entre temps, il avait aussi fait Mask Rider, la version américaine de Ken Rider. Et là, il n'eut qu'une saison pour la simple raison que l'auteur original, Isunomori Shotaro, a demandé à ce que la série soit annulée. Car il trouvait que c'était une insulte à son œuvre. Ah bah, je le comprends d'ailleurs. Hein. Le problème, c'est qu'il s'en est rendu compte qu'une fois la série vendue à plusieurs pays. Ouais. Là, il me semble que sur TF1, elle a même pas été diffusée en entier. Qu'est-ce qu'il vous fait là? Regardez, il y a un bug. Il joue lapin tout seul, là. Je sais pas pourquoi. Et voilà, gagné. Je sens qu'on va suivre. Bon allez, c'est le dernier que je fais et j'arrête là. Bon bah, je vais arrêter là. Ce jeu est quand même à oublier. Pourtant, pour Rangers comporte quand même quelques petits bons jeux, mais d'autres sont vraiment, mais les jeux comme celui-là c'est à oublier quoi. On fait vachement mieux sur Mega Drive et sur Street Fighter, les Mortal Kombat, même Jack Fu il est meilleur quoi. J'ai même plus envie de continuer, donc je vais arrêter là. Allez, à plus pour un autre test, je sais pas ce que je ferai. Allez, mais, allez, ah, ce jeu est bourré de bugs. Les décors sont à chier, pas possible. En sérieux. Et voilà, je suis encore bloqué. Bon bah j'arrête là, allez, à plus.